Dieu. Ouais, on va commencer à préparer ça bien comme il faut. Coucou les gars, il est 6h55 du matin. Nous apprêtons à partir avec Valtao Activities. En fait, on sera que nous sur le bateau Mayan avec le couple. Donc ça va être trop bien. On va visiter l'île Plate, l'île au Gabriel et Coin de Mire, je crois, un truc comme ça. Bon les gars, on vient d'arriver à l'île Plate et l'île au Gabriel. Elles sont incroyables, là on va vite aller plonger. Vous avez une tortue passée, on va aller la chercher. Donc ça c'est l'île au Gabriel. Et ça c'est l'île Plate. Et là on a Christophe qui essaye de nous chercher des tortues. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'île Plate, elle n'est pas très plate, mais c'est juste magnifique. C'est quelque chose à faire vraiment, 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 si vous venez ici à l'île Maurice. Vous pouvez apercevoir au fond le coin de Mire, on y passera tout à l'heure, on vous fera des belles vidéos. De l'excursion île Plate, île au Gabriel, coin de Mire, c'était incroyable.
Ouais, on en a pris plein les yeux, que ce soit sur la terre ou dans l'eau. Franchement, c'était fou. En fait, on est parti avec Valtao Activities. C'est Mélanie et Christophe qui s'occupent de ça. C'est une conciergerie. Ils viennent nous chercher où on réside. Et ensuite, on part depuis du Cap Malheureux. On passe devant le coin d'Ymir, comme ça on peut déjà le voir. Ensuite, on arrive entre l'île Plate et l'île Gabriel. En fait, c'est deux îles qui sont toutes rapprochées. Son Donc, face to face quoi. voilà. Et ensuite, on a mangé là-bas, on a fait du snorkeling là-bas. On a découvert un peu les deux îles. Et ensuite, on est revenu au coin de Myre. Et là-bas, on a encore fait un peu de snorkeling. Ouais, snorkeling avec des fonds juste fous. C'était Il incroyable. y a peut-être 10 mètres de profondeur, c'est magnifique. Le décor, il est fou. Il n'y avait pas grand monde, donc on a pu bien profiter. On n'était pas En fait, collé. ce qui est bien, c'est qu'ils font tout pour éviter les touristes. Mélanie et Christophe, du coup, ils nous trouvent des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Ils essayent d'aller aux heures où il n'y a pas trop de monde. Là, en tout cas, quand on était allé, c'était limite désert. On était presque tout seul, quoi. C'était trop bien. Et en plus, ils connaissent tous les spots pour faire du snorkeling où il n'y a pas du tout de monde, où on est vraiment tout seul, quoi. Du coup, c'est ça qui est cool d'aller avec eux. Donc voilà, on a passé une excellente journée. Ouais, une excellente journée, on a très bien mangé parce qu'ils nous ont fait un repas vraiment vraiment bon. Un petit Un punch. petit punch, franchement, il y avait tout, ils ont tout prévu, c'était juste parfait en fait. Juste parfait. Donc on valide, on recommande et on vous dit d'aller voir vraiment avec eux parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Du coup voilà, on va vous laisser là, on se retrouve demain pour une visite du zoo de Casella et j'espère qu'on va en prendre plein la vue.